officiel. Kinshasa abritera en août 2022 les Jeux de la Francophonie. L'information a été livrée ce mercredi soir par la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie au cours de l'audience lui accordée par le chef de l'État. Alors, je suis la directrice du Comité international des Jeux de la Francophonie. Je m'appelle Zena Mina. Nous avons souhaité rencontrer le président pour un point de situation sur l'avancement du projet de l'organisation des Jeux de la Francophonie qui auront lieu en août 2022. Nous avons eu l'assurance pour un suivi et pour l'organisation des Jeux de très grande qualité à l'image de ce pays. C'est un événement qui va être transmis au monde entier, à la planète entière. Et donc de rester solidaire, de s'approprier cet événement et que ce soit vraiment une fête pour toute la population congolaise et que tout le monde s'engage pour sa réussite. Grand pays francophone au monde, la RDC sera ouverte au monde et va retrouver sa place dans les concerts des nations. La République démocratique du Congo figure parmi les pays africains sélectionnés pour le vaccin contre le COVID-19. Déclaration de la directrice exécutive de l'ONU-SIDA au cours de l'audience lui est accordée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans quelques semaines, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va prendre la reine du pouvoir de l'Union africaine. Parmi les dossiers urgents qui l'attendent, figure la gestion de la pandémie des COVID-19 et l'épineuse problématique du vaccin contre cette pandémie. En tournée de mobilisation sur cette question, la directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire adjointe des Nations Unies a échangé ce mercredi avec le chef de l'État sur l'appui de son organisation pour relever ce défi. Accompagnée de la directrice pays de l'ONU-SIDA, Madame Winnie Byanyima pense que sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Afrique pourrait bien trouver une solution. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA souhaite que l'Afrique accède le plus rapidement possible au vaccin, contrairement à l'expérience du VIH-SIDA. L'ONU-SIDA mobilise en fait tout le monde pour que les vaccins puissent être disponibles et pour tout le peuple. On appelle ça d'ailleurs les vaccins du peuple. Donc tout le monde doit avoir accès à ces vaccins de la lutte contre la COVID pour que nous puissions protéger les populations. Et il y a une pétition qui a été signée au niveau de l'Union africaine. Et certains chefs d'État africains ont déjà signé, comme le président sud-africain Ramaphosa, qui est l'actuel président de l'Union africaine. Il y a le président Macky Sall du Sénégal, le président du Nigeria, le président du Pakistan. Et donc cette pétition est là pour s'assurer que tout le monde ait accès à ces vaccins. Et le plus rapidement possible, ça doit être au même moment à travers le monde entier, pas privilégier les pays riches au détriment des pays pauvres. Et donc nous voulons ce vaccin maintenant et nous sommes certains que nous pouvons avoir les ressources à mettre en place pour que nous puissions aussi acheter notre vaccin dès qu'il est disponible et non pas solliciter une quelconque faveur de la part d'un pays pour que nous puissions avoir ce vaccin. Et donc, nous ne voulons pas que ce qui s'est fait avec le VIH-SIDA puisse se répéter aujourd'hui parce que avec le virus du SIDA dans les années 80, il fallait attendre, l'Afrique devait attendre environ 6 ans pour que nous ayons accès au vaccin les traitements contre les ARV, contre le sida. Et pourquoi? Parce que les pays occidentaux, les pays riches avaient les médicaments pour soigner le sida, mais c'était tellement onéreux, tellement cher, que l'Afrique ne pouvait pas se permettre ces traitements. Les traitements étaient à environ 10 000 dollars. Et donc aucun pays, aucun citoyen africain ne pouvait s'offrir cela. Mais après 6 ans, le traitement est passé de 10 000 dollars à environ 100 dollars. Voilà pourquoi en Afrique, on ne remarque plus qu'il y a les sida dessus. Parce que beaucoup de personnes sont en cours de traitement. En attendant les vaccins, les futurs présidents de l'Union africaine insistent sur le respect des mesures barrières pour juguler cette pandémie. Ministère du genre, enfants et familles, représentante de l'ONU-SIDA et organisation de la société civile. Une séance de travail qui a permis de faire le point sur les avancées enregistrées en matière du genre et de la promotion de la femme. Les premières composantes à confirmer cette vision évolutive de la place de la femme, ce sont les organisations de la société civile. La femme congolaise a actuellement trouvé une place dans l'échiquier politique et social national. Nous avons des femmes vice-premières ministres,
ministre d'État, ministre. La représentante de l'ONU Femmes, Awan Diaye, s'est associée à l'activité par visioconférence. Par la suite, la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomeya, a décliné la politique gouvernementale en matière de la promotion du genre. Politique impulsée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, mise en musique par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Lorsque nous parlons des questions des femmes, des droits des femmes, ce sont des droits humains. Nous devons faire attention, nous devons vraiment faire, ça doit être un effort collectif, d'abord nous au niveau national, mais aussi des partenaires qui viennent nous appuyer, nous accompagner pour dire que ce pays a suffisamment d'atouts, mais le premier atout c'est d'abord les ressources humaines. Et ces ressources humaines, en grande partie, sont composées par des femmes. La patronne du genre était également l'hôte des 5 ans du cartel des femmes politiques leaders actives. Béatrice Lomeya a recommandé à cette plateforme des stratégies nouvelles pour consolider la participation qualitative et quantitative de la femme dans les cercles de prise de décision. Bien avant, la ministre d'État a assisté à la messe des 56 ans en mémoire des martyrs sœur Marie-Clémentine Anwarit Nengapeta, en la paroisse Saint-Gabriel, alignée le long de la route nationale numéro 1, Kinshasa-Matadi. C'est le deuxième lot après l'arrivée des 110 bus et voici les 110 autres au bénéfice de l'entreprise Transco, réceptionnée ici à Kasangoulou par l'envoyé spécial du chef de l'État, Massamba Kinoani, qui s'est fait accompagner du directeur général de cette entreprise de transport en commun. Sous les sons des sirènes, les populations qui se sont tamassé le long de la route nationale numéro 1 n'ont pas caché leur satisfaction en remerciant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui fait de l'amélioration du social une approche incontournable dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'envoyé spécial du chef de l'État est revenu sur l'acte, une réponse aux difficultés que connaissent les grands centres urbains. Je dirais merci à Dieu pour ce deuxième lot de bus que nous venons de recevoir et acheminer à Kinshasa. Je dirais que tout s'est très bien déroulé. Le président de la République a un grand souci pour le social de tous les Congolais. Je lance un appel solennel à toute la population à soutenir, à appuyer les œuvres et les actions initié par M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Il faut bien évidemment s'attendre à un troisième lot pour renforcer la fluidité du réseau des transports urbains. Noël Nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas souillé. Boyana Bali, 5h. 7e rue. Ah bon? Merci. Bon frère, so comme on a limité, autour d'avenir. Avenue Tropique. Voilà, Avenue Tropique. Tout ça, on a toujours été billard quoi. Limité 7e rue résidentielle. Hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof. Oh, ma petite sœur, ça va? Waouh, ouais, ça fait longtemps. Tu es pendant ma mariage, tout justement, salle de fête Pézalia, il y a bien Kitoko. Ok. Hein? Balis Center. Un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférence, réunion de service et diverses manifestations. Balis Center, nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balis Center avec
terrasse intérieure et extérieure, VIP rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondeco dans la commune de Limété. Pour plus de contacts et réservations, plus de 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. C'est pas la TV et y est dans ma cambouille à Sikali Zouzou. Oh, ma chaîne y a France et Zanakati. Ma chaîne y a Congo et Zanakati. Ma chaîne y a Londres et Zanakati. Au moment de ma cambouille à politique y a Sika. Oh, parti AA. Ezanakati. O parti BB. O CFAIO. Ezanakati. Ya Sepela TV. Bouke comme ka mouke boy. O tina poche voyager na ngoke no partout lingi. Na bouke no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso ne ozo ma biso wana kaka. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome 7, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté! La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome 7. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome 7, le meilleur dans son domaine.